Chers amis d'Anikema, c'est toujours notre grand plaisir d'être avec tous nos abonnés et d'inviter ceux qui ne le sont pas encore à prendre place dans cette barque qui vous fait voyager un peu partout. Pour rentrer chez vous, nous vous offrons nos cordiales salutations en souhaitant à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne une chaleureuse bienvenue. Et aux anciens, nous envoyons un grand et amical bisou. Bravo, vous êtes là. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de quelque chose de très important. Nous disons important parce que cela fait du bien à notre être de façon naturelle. Et s'il n'en est pas ainsi, nous aurons sûrement à souffrir. Voyez-vous, nous sommes créés libres. Nous jouissons tous de ce privilège. Nous pouvons penser, prendre des décisions, de poser à volonté des actions, d'orienter et surtout de sceller nos choix selon nos objectifs. Parlant d'objectifs, nous pouvons voir ce que nous aimerions devenir en ce qui concerne notre personnalité, profession, occupation, la façon dont nous aimerions vivre, libre, captif, modeste, aisé, heureux ou malheureux. C'est selon notre objectif que nous pensons et posons des actions, prendre aussi des décisions. Tout cela est l'effet du libre arbitre. Le libre arbitre est la faculté qu'aurait l'être humain de se déterminer librement et par lui seul à agir et à penser. C'est l'entière liberté de faire ou de ne pas faire. Cela veut dire tout bonnement qu'on peut faire son choix. Le choix d'aller où l'on veut, le choix d'aller où l'on désire, de poser les actions, mais attention, sans ignorer les conséquences. Car chaque action posée, chaque décision prise, en outre, chaque choix que l'on fait, soit de parler ou d'agir, traîne après lui des conséquences. La conséquence peut être bonne ou mauvaise, mais elle viendra sûrement. Revenons alors à la précédente déclaration. Nous sommes créés libres. C'est quoi être libre? D'après le dictionnaire Larousse, être libre signifie posséder ou avoir le pouvoir d'agir à sa guise. Cela veut dire qui n'est soumis à aucune contrainte morale ou physique, qui n'est pas efforcé à agir ni à prendre des décisions. C'est avoir la libre disposition. On est disposé à entreprendre des études, des voyages ou n'importe quelle activité et on le fait sans agir sous la menace. Regardons là des gens libres, textes politiques et sociaux. Parlant de politique, on voit la liberté de voter, de poser sa candidature pour un poste politique. Le niveau social, on voit les faits sociaux, les rapports existants dans la société. Il est vrai que le libre arbitre nous réserve le droit de nos choix, de les orienter selon notre gré, d'aller où nous voulons. Mais alors, peut-on faire le choix d'aller en prison? Certaines fois, le choix de nos actions, l'obéissance à nos pulsions et l'écoute innocente de nos pensées et de nos idées peuvent quasiment nous enlever cette liberté dont nous sommes les détenteurs naturels. De nombreux gens pensent qu'être emprisonné est comparable à un séjour. Ils regardent la prison avec tant de banalité et de simplicité. Certains, au contraire, le considèrent comme un lieu de répit. Est-ce une réalité? D'après le constat fait, des gens vont une première fois en prison et qu'après leur liberté, ils retournent, souvent pour les mêmes infractions en moins d'un an. Le petit Robert définit la prison comme un établissement clos, aménagé pour recevoir des délinquants condamné à une peine privative de liberté ou des prévenus en instance de jugement. La prison centre de détention ou pénitencier est un lieu où sont enfermées certaines personnes condamnées, appelées prisonniers ou détenus. Connaissant l'existence
nous pouvons faire cette question. Quel est le rôle de la prison? Et quand est-elle apparue? La prison est née de façon moderne de 1788 à 1944. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen érige la liberté au rang des droits inaliénables de l'homme. La privation de liberté est reconnue comme peine à part entière. Il est retenu que la prison est un élément clé de toute société humaine. Chargée de mettre à l'abri cette société contre les individus qui, par des actes antisociaux, peuvent la nuire. On dit aussi que c'est un lieu de réinsertion où le prisonnier isolé est censé réfléchir à ses actes pendant une période impartie. Puis, comme touché par la grâce, il ressortirait pur et sans haine pour s'insérer dans une structure sociale qu'il a marquée à vie. Est-ce vrai cette assertion? Pour tenter de faire une analyse, regardons les bilans statistiques des prisonniers de certains pays. Regardez-la. Mais alors, toutes ces personnes ne sont pas à leur première pénétration. Après l'échéance du temps imparti à leur peine, on dit que les personnes devaient réintégrer la société avec un caractère épuré. Est-ce vrai? Regardons. Laissez-moi vous dire que la prison n'est pas un lieu où l'on accueille les détenus avec des guirlandes à la main. On pourrait dire le mode de traitement donné aux prisonniers va à l'encontre du but fixé. Parfois, les places ne sont pas proportionnelles au nombre de détenus, par exemple, dans certains pays. Il n'existe pas de structure adéquate. La question de nourriture est une autre abord. La sécurité est inquiétante. Les traitements psychologiques dégradants. Après cet aperçu de la prison, nous voudrions vous déclarer, chers amis, que c'est un lieu à éviter. Voici quelques conseils qui vous permettront de contourner les risques d'aller en prison. La responsabilité des parents. Certains parents souffrent de l'incarcération de leurs enfants, tout simplement par leur caractère, leur attitude laissée-faire. Ils considèrent les actes de ces derniers comme étant des routines infantiles, sans grande importance. Mais ils ne pensent jamais qu'une plante est semée, germe, croît et multiplie des fruits. Ne laissez pas vos enfants grandir avec des embryons vicieux afin d'éviter de bercer des adultes condamnés. Surtout, veillez sur leur fréquentation. La responsabilité des organes éducatifs. Certains parents incombent sur les difficultés de la vie. Ils ne disposent pas de temps pour converser avec leurs enfants. Mais ils font de leur mieux pour les envoyer à l'école, à des rencontres religieuses. Parfois, ils les envoient à l'église, alors qu'eux-mêmes vaquent à leurs activités. Ils les envoient aussi au club avec des responsables, des moniteurs. Ils reviennent alors responsables, aux moniteurs, aux instituteurs, d'apprendre aux enfants la limite de leurs actions. Même sous le coup de la colère, qu'ils apprennent à se contrôler, à maîtriser leurs impulsions. À tous les acteurs éducatifs, familles, groupes de pères, les institutions scolaires et religieuses, c'est à vous de cerner la situation. Si l'enfant ne rencontre pas les formations de la famille, il devrait la trouver à l'école, à l'église et dans les groupes sociaux. Car ce sont le comportement des gens et leurs actes qui leur enlèvent leur liberté. Étant jetés en prison pour délinquance ou une quelconque infraction, où les prisonniers ne sont pas les seuls à en souffrir. Regardez,
les parents doivent se débrouiller pour apporter de la nourriture à leurs condamnés. Alors, la prison, comme c'est conçu, ne résout pas les problèmes d'ennui social, mais les diversifie ou les troque. L'éducation, oui, par l'éducation, on peut diminuer le risque. Parce que dans la prison, naît la frustration. De la frustration vient l'agressivité. L'agressivité engendre la violence. Et la violence génère la violence. Évitez la prison pour nos prochains en leur accordant à reconnaître leurs limites et aussi pour vous-même en contrôlant vos actions. Utilisez toutes sortes d'armes d'éducation afin de les aider. Usez de tolérance à un certain niveau et contrôlez vos pulsions. Oui, la prison crée la frustration. La frustration engendre la violence. La violence, l'agressivité, la violence encore, l'agressivité, ainsi de suite, c'est un tour. Alors, on ne sera jamais en paix si on va en prison. Donc, aller en prison, c'est perdre sa liberté, diminuer sa dignité, dégrader sa personnalité et abroger le naturel. Merci à vous qui m'écoutez. À bientôt. N'oubliez pas d'abonner, de partager si vous avez aimé. Au revoir.